Oui, je m'étais fait mordre par une araignée. Toi, tu t'étais fait bouffer Enfin, par une araignée. non, j'ai fait un bisou à une araignée. Je me demandais si on avait terminé cette quête ou s'il fallait. Ah non, il fallait qu'on l'affronte elle maintenant, non? Non. Si, il y avait deux options. Elle nous avait dit commencer par battre mes trouducs. Ah bah go. On va y donc retourner la voir et lui dire maintenant qu'on en a terminé avec eux. Le combat n'était pas si violent en fait, hein. Ça a été. Ah, même si c'était relou d'être aveuglé alors que t'as une équipe de casteurs. Elle est où, elle, au fait? Alors je suis pas encore là, hein. Ok. Je rejoins tout doucement. Vas-y, vas-y, je l'ai perdu de vue. Je sais pas où elle est. My shoulder, you're smoldering, yeah. Oh, this'll be a scorcher. Who are you taking along? You only get this one Il y avait la quête choice. sur les nains aussi. Alors, est-ce que tu es là? Je suis là. Alors lui dire que j'aimerais que tout votre groupe se joigne à vous. Ah oui. C'est parti. Il est tout seul? Murga, niveau 12. Il va se faire défoncer. Maybe, mais elle court déjà très très vite. Voilà, ça c'est cadeau. Ah, t'es mort. Non. Ah non, t'as pas beaucoup d'armure. Non, mais ça va, hein. Après, je pense qu'elle était genre loup solitaire, truc comme ça, tu vois. Donc elle Ouais, doit si, avoir elle peut. une pété de. De comment? De points d'action. Ouais, si elle veut. Bah regarde, on va faire ça. Ouais, c'est vrai que Voilà. ce que j'aime bien, voilà, c'est un épisode qui commence directement par un combat, comme ça on est tranquille. L'action c'est fait. C'est ça. Bon bah, hein, je vais le clouer. Ah non, bloqué par armure physique. Ouais, elle a quand même 100 et enfin, 300 d'armure physique donc. C'est quoi, je te laisse jouer en premier? Si tu peux me faire du feu Le prince rouge. ou de Alors le la prince terre. Ah rouge. tiens, tu peux me faire de la terre ou de la boue, un truc comme ça? Bah le prince. Bah, pas peut-être pas trop avec le prince rouge. Déjà là on va lui faire sauter son armure physique. Mais avec ta fille. Oui, avec la fille, oui. Donc ça ne fonctionnera pas. Tu peux mettre de l'armure à tout le monde? Je peux la provoquer. Non, tu peux pas, elle a encore de l'armure physique. Mais non, elle a plus d'armure physique. Ah bah c'est bon alors. Elle est provoquée. Je vais aller plutôt par là, histoire que. Moi, donc, je vais m'éloigner. Un petit peu. Merde. Voilà. Putain. Aïe. Ça va. Ça va, mais ça fait mal quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Tu peux lui mettre lenteur ou pas? Une infection. Lenteur. Bah, disons qu'elle. Oui, je peux mettre lenteur, oui. Voilà, Mais je vais et toucher le comme ça. prince rouge, je vais toucher un peu tout le monde avec lenteur. Hein. C'est pas grave, ton prince rose il va pas bouger. Ma foi. Voilà, comme ça je peux faire pop ma grosse bébête, hein. Ah non, t'aurais dû mettre sur le prince rouge. Ah oui, comme il a un taunt. Oui, mais je peux pas. C'est forcément moi à l'autre bout de la chaîne. Ah d'accord. Bon bah alors. Insufflation de pétrole. Voilà. Champion incarné. Bon, allez. Éclatons-lui la face. D'un peu près d'elle, par contre, je trouve. Pas grave, tu la provoques. Oui, c'est vrai, mais elle a peut-être des attaques de zone, tu sais. Mais non, ça, pas d'attaque de zone. Je ne sais pas. Donc elle est provoquée, elle est lente, elle a chaîne de douleur et elle est attaquée par le flanc. Si tu veux mon avis, il n'y a pas que par le flanc qu'elle est attaquée, mais bon. Je sais pas si je vais continuer d'afficher ce casque qui me semble peut-être un petit peu exagéré au niveau. J'arrive pas à la cibler tellement ma créature est grosse. Bah, cible son portrait. Bon, je lui fais péter son amant magique, hein, écoute. Et bim. Ah, elle prend des bancs, elle prend des mandales. Ouais, maintenant il est blindé le prince rouge par contre, avec tout le matos que je lui ai mis. Adrénaline. Oh. C'est quoi Tiens. ça? Oula, ça s'appelle un néant. Je vous laisse ce truc. Ah, elle est pas toute seule en fait. Je sens la source, pas d'issue pour petit vermisseau. Ah putain.
Flickering and glimmering in and out of sight in the gloom, Murga win. Just like last time, she runs to her little ickle fading ship. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a disparu, l'autre connasse? Ouh, c'est sympa. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah t'as une chaîne de douleur qui est partie sur toi. Mais elle, elle est où l'autre? Elle est invisible, c'est tout. Ouais, elle est invisible en effet. Je suis obligé de te faire des dégâts, Moro. Bah si je prends des dégâts, l'autre elle prend des dégâts aussi, vas-y. Cette chaîne est forte. T'es prêt? Bah ouais. Allez. C'est parti. Le machin il est un peu en métal, mais on va voir si je prends en chair ou pas. Voilà, donc elle est plus invisible déjà, donc tu peux peut-être te la farcir elle. Oui. Ah ah, je t'ai bien eu avec ma chaîne. Tu n'y t'y attendais pas, hein. Voilà, critique. Bon, par contre, pour la saloperie d'en face, hein. Bah, on va attendre que la chaîne soit dissipée ou je vais mourir. Donc, tu sais quoi? Tu sais quoi? On va s'amuser un petit peu. Notre cher Murga est avec nous. Ouais, mais c'est... Comment? C'est que derrière, du coup, j'attaque qui, moi? Bah, lui. Mais si j'attaque lui, je meurs. Bah, de toute façon, dans tous les cas, ça va être compliqué. Là, je te fais un totem de sang. Mais j'ai te heal. Tu veux que je te heal? Oui, oui, forcément. Non, ah oui, oui, tiens. Je te mets une petite restauration des familles. Voilà, comme ça. Donc le prince rouge, bah il se met devant, hein. Écoute. Fight. Putain, il est... Ah oui, il court vite, ouais. Ouais, il y a longueur de mi, donc... Il peut encore avancer. C'est bon, t'es full life, vas-y. Tu peux peut-être essayer de debuff, hein. Bah non, mais je vais essayer de lui faire péter son armure physique en fait. Oh, comme ça te heal, ça va en fin de compte. Oui, voilà. J'ai une grenade d'amour depuis l'autre fois, mais je pense que ça je vais le garder. Qu'est-ce que je peux lui mettre dans la tronche à lui? Pas grand chose. Murga, si j'attaque, elle va plus être. Ouais, non, l'attaque pas. Il aime pas le feu. Pour info. Il aime pas le feu, ouais, mais il a trop d'armure magique. Pour l'instant, le truc, non, bah je vais garder mes points pour la prochaine fois, je pense. Ouais, non, je vais me soigner, tiens, la rigueur. Non, je t'ai déjà envoyé une restauration. Ah, mais non, ça vaut pas le coup, je suis full. Ok, j'attends. Allez. Vas-y, Murga. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a mis hâte. T'as complètement buffé le prince rouge. Ah, t'es lucidité sur le prince rouge. Parfait. Waouh. Oh putain, c'est joli. Ouais. Du coup, il a tué Murga en m'attaquant, ouais. Moi, c'est ça? C'est ça. Attends. Ça, c'est cadeau. On a eu l'XP, hein. Voilà. J'ose espérer. Je sais pas. Je me mets devant. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, moi, tu vas prendre cher. Il n'a plus d'armure physique. Ouch. Le prochain coup, je décède. Qu'est-ce que je peux faire? Je me mets tranquillité d'esprit. Voilà. Ouais, il faut que je me soigne entre deux. Tu veux que je te heal? Oui, bah si tu peux. Balance du heal, après on pourra l'attaquer. Je vais juste... De toute façon, maintenant qu'il a plus d'armure physique, le truc, on va pouvoir le route non-stop, donc... Genre... Bon, c'est pas grave, tiens, je te heal. Avant, je vais faire ça. Tu peux utiliser le cadavre de Murga, non? Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, j'ai même plus besoin de cadavre maintenant, je peux invoquer carrément la grosse bête. Bien joué.
Je crois que t'étais sous le truc où t'avais pas le droit de te heal. Je sais pas trop. Et je crois qu'on a pas fait attention tous les deux et que voilà. T'es sous décomposition. Maybe. Alors, donc cette grosse merde. Renversement, voilà. Moi. J'ai pas moqué la grosse araignée, je pense. Ouais. La veuve des ossements. Espèce de fumier, moi aussi je peux le faire. Bon, de toute façon, on va l'éclater. Moins de temps qu'il faut pour le dire. Ouais, tu vois, le machin. Coup critique. 200 et quelques dégâts, quoi. Je pense que la dernière flèche et le machin, il va repartir aussi con qu'il est venu. Voilà. On n'est pas l'unique. Faut être prêt à se battre contre ses propres alliés. Oui, on l'avait déjà fait, ça. Ouais. Ça nous permet de le looter, peut-être, même. Ouais. Parce qu'on est là pour ça, hein. On sait pas contre qui, là. Je sais pas trop. Contre les totems, manifestement. Mais c'est autour de ma bébête, hein. Pour l'instant, ah, non, faut que j'attaque toi en fait. C'est toi que je dois attaquer. Oui, mais commence par loot. Comment? Il faut looter les trucs qui sont morts. Après, on se tuera entre nous et puis c'est fini. Tu sais, on l'a déjà fait une fois dans l'arène de base. Avec lui, je peux pas. Tu peux pas quoi? Je peux pas. Ah bah lui, avec lui, tu peux pas looter. Oui, on est d'accord. Mais bon, d'ici à ce que tu tues le prince rouge. C'est pas faux. On a pas fini de taper dessus. Hein. Bah là, c'est pareil. Hein, avec elle, je vais pas trop pouvoir looter quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec elle? De toute façon, on va pas faire un vrai combat, on s'en fout un peu. Hein. Si, allez, tue-moi. C'est à ton tour de me tuer. Ma foi. Enfin, on va la jouer sérieux, quoi. Ah. Oui, enfin, le truc, c'est que j'ai... j'ai pas de life. Ah. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je suis pas mort. Évidemment, je suis mort. Par contre, il faut penser à loot, on est d'accord? C'est ouais. Pour ça qu'on est là à l'origine. Bah, tiens, je vais te laisser looter en bas. Moi, je vais looter en haut avec mon Emata. Alors, le gros machin, il avait que dalle. Ça, c'est bien, bien triste. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y avait, Murga. Non, j'y vais. Ah, je pense que c'est pareil. Ah, il a pas eu le mouvement, ce con. Il a donné serre de piège. C'est tout? Ouais. C'est méga triste. J'ai envie de dire peu importe. Hein.
Oh. Bah tue-le, on n'en parle plus. Ouais, tue-le, attends, c'est le prince rouge, hein. C'est tanky quand même ces trucs-là. Oui, c'est tanky. Persévérance. Résiste à la mort. C'est increvable. Ah, il est fat, l'air de rien. Je suis assez content de la façon dont il a été monté. C'est ça. Bah, la bête. J'ai besoin de soins, dit-il. Tu m'étonnes. De toute façon, Sibyl, elle rejoue avant lui. Donc. Voilà. La reine de flotte bois, c'est fait. Bon. GG. GG, mais t'étais pas fou, là. Non, j'avais plus de life quand j'ai commencé. Mais on s'en fout, de toute façon, c'est... Mm. Ils sont contents, ils filent une récompense. Voilà, voilà. On a fait la quête. Ah! You're the challenge of the Merc. Hmm? Donne une clé. Une clé pour? Ah, une clé. Ok. Alors, une lance. Non, c'est pas marrant. Une hache à une main. Un auber. Oh putain, le auber. Alors, il y avait du matos. Il y avait du matos de merde. Il restait sur le prince. C'était quoi? Non. Non, ça va. Il est bien équipé, le prince. Il est sur du 12 partout, niveau 12. Tu peux me dire qu'est-ce qu'elle a comme équipement, Sébille, s'il te plaît, en poitrine? Non, je peux pas. Oh, bah c'est pas cool. Là. Parce qu'il y a un Aubert qui est de plus en fripouille. Hein. Bon. Je peux pas voir le stuff de... Là, c'est pas grave. De cette miss-là. Bon, alors par contre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comme à une main, j'ai du 24-29 et plus en force pour le prince rouge, sinon. Alors, en arme à une main. 24-29, 5-6 en poison. Il a 29-30, 6-7. Ouais, je pense tombé, c'est mieux. C'est mieux que ouais, ce qu'il a, c'est... Il a une très très belle arme. Ok, juste je m'équipe un tout petit peu. Je reviens. Il y a un bandeau, c'est quoi ce délire? Bandeau, 12 d'armure physique, niveau 10. Très chelou ce truc. Ouais, t'as eu quoi? T'as une paire de bottes? Ouais, la paire de bottes, elle donne plus 100 en pyro et plus 0,25 en déplacement. Je peux te filer la paire... Ah oh, merde, il me faut de l'intelligence, putain. Y'a quoi Nemata en bot? C'est quoi? J'ai pas de bot avec Nemata. Bah, mais des bottes. Voilà. Donc, le Aubert, l'armure de poitrine, ce serait pour. C'est de la dextérité. Oui, bah, c'est pour. Non, c'est Bill, elle a mieux. Elle a mieux, ouais, c'est Bill. Elle a mieux. Ouais, elle a mieux, elle a plus d'index, machin, plus d'antiviralité, enfin bon. Tiens, je te la file au prince rouge, comme c'est pour la vendre, on va faire un truc. Ah, c'est dommage parce que c'est quand même franchement bien comme truc. Mais ouais, le prince rouge la vendra du coup. Ah non, mais elle a beaucoup mieux, hein. Alors par contre, j'ai la clé. Alors avec la clé, on peut descendre, je pense. Enfin, il faut qu'on y aille avec la clé. On va essayer de voir par là. Attends, je me balade un peu. Trésorerie de l'unique, voilà, c'est trésorerie de l'unique, c'est là. Alors attends, je vais dans la trappe, j'ai les clés. Et là, ouh, un donjon. J'arrive. Nous sommes là aussi. Alors tu sais ce qu'on va faire? Ouh, ouais, sauvegarde, parce qu'il y a du piège de partout. A mon avis, ça va être la mort. Mais non. Quoi? Attends, examiner putréfication. D'accord. Bah c'est pas dur. Je vais lui faire bénédiction. Bah, est-ce que tu l'as bénédiction, toi? Oui. D'accord, tu peux bénir la porte? Maintenant, on peut. Alors, attention, oup là. Ouais, fais gaffe, je le sens tellement pas, cet endroit. Ok. C'est quoi, je vais laisser les matas derrière. Ouais. Et Sébille, elle va s'occuper de gérer ça. Attends, je vais enlever ça là parce que c'est relou. L'huile c'est chiant. Ah mais.
Ça pop non-stop en fait. Ouais. Mais je pense que ça va aller. Est-ce qu'elle peut se TP ces builds? Ouais, on peut y aller. Alors attends. Ouais, mais attends, le truc c'est est-ce que. Est-ce que cette porte là aussi est coincée? Non, mais moi je me TP. Ok. Ah merde, je suis pétri. Et merde. Ouais. Au revoir, c'est pile. Ah. Bah. Je vais charger. Ouais. Donc, bah, ça marche pas comme ça du coup. Si, si, ça marche comme ça. Faut juste que tu mettes. Ah, je peux y arriver. Tu peux recharger la partie. Oui, au lieu de lancer de bénédiction, on pourrait utiliser l'armure de terre. Non, je sais plus, il faut quoi. Donc, il faut un autre truc. Je vais lire dessus, je vais te dire. Mais Sébile, ouais, elle peut tout looter, je pense. Ouais, mais une fois là-bas, elle prend. Elle prend des ouais, gâchettes. Il faut juste que je trouve un endroit où je me fais pas avoir par la pétrification, quoi. Mmh. On va voir. On va réfléchir un peu, mais ça devrait pouvoir se faire. Il n'y a pas de raison. Oui, bah de toute façon, si on est là, c'est qu'il y a bien une possibilité. Mmh. Je pense. Non, mais on peut y arriver avec tous les persos en enlevant machin, machin. Mais ouais. Mais il doit y avoir des interrupteurs pour arrêter toutes ces machineries, non? C'est vrai. Bah, je te laisse fouiner pour trouver les interrupteurs. Moi, j'ai essayé d'y arriver avec Sébile, comme ça, tranquillou. Je vais pas prendre de risques. Voilà. Mais t'avais un autre moyen que bénédiction, il faut... Attends. Carapace magique, sinon. Mais carapace magique... C'est un truc d'eau, ça. Il y a un truc que je tenterais bien. Attention. Vas-y, tente. Tu veux foutre le feu partout? Oui. Ouais, non. Non, je crois pas que ça soit... Non, c'est pas une bonne idée. Tu crois? Certain. Et maintenant, je peux plus passer. Là, c'est certain. Au, au, au. Ah oui, non, je te dis, là, c'est pas bon. Ouais. Non, mais ça se tentait. Par contre, en haut, t'as un alambic. Mais là-haut, il y a une valve et tout, tu vois? Donc à mon avis, la valve, elle peut arrêter les trucs. Tu la vois, la valve, là-haut? Ah, le squelette est mort? Ouais, mais je peux pas me téléporter en haut. Ah bon? Si, enfin, quoique... Alors attends, je vais le faire. J'ai beaucoup d'armure magique, j'y vais avec Katarina. J'ai essayé d'attaquer l'alambic. Allez, on y va. Aou, 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 aou. C'est bon. Voilà. Alors maintenant, bah, je vais passer. C'était pas si compliqué. Oh, ça va. Alors, est-ce que c'est piégé? Apparemment, non. Dangereux alors... ce coin. Oh, par contre, il y a tellement à looter. Commandement 2, je... truc pour. Tiens, je t'envoie pour le prince rouge. C'est en force. Ok. Ensuite, une rune. Une rune. La clé lunique, je sais pas qu'est-ce que ça ouvre. T'adore, on va regarder le t'adore. Oh, j'ai gagné quelques PO. Mmh. Et une clé aussi, hein. Une clé? La clé lunique, je sais pas qu'est-ce que ça ouvre. Qu'une foutue idée. Il y a une dalle en haut. Une dalle? Ouais, et une dalle en haut. Où ça? Là, là. Non, une c'est pas valve. Une valve, ça. Ouais, une valve. J'appuie. Essaye. Ok. Ouais, c'est pas très parlant. Bon, bah on a trouvé notre clé, hein, puis voilà. Attends. Ouais, je peux l'attaquer, hein. Mais je suis pas sûr que ce soit utile. À mon avis, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Tout ce qu'il y a assez. Voilà. C'était simplement, à mon avis, un autre choix pour... Tu vois. Et
sûr qu'il y a un truc à faire. Hein. C'était à mon avis pour arrêter le jet sans passer par au-dessus de l'autre côté. Ouais. Je vois pas trop d'autres... Ouais. Non mais j'ai chopé une nouvelle clé donc à mon avis... Oui, il y a une clé quelque part qui doit servir à quelque chose. Bon, cassons-nous de là. Il n'y a pas d'autre lieu de toute façon, il n'y a pas d'autre endroit. Ouais. La clé de l'unique, là, on verra bien où est-ce que ça mène. Plus tard. Bon alors, on avait quoi comme mission? On en a tellement. Faudra choisir une du coup. C'est pile, il a pas de gants. Faudra en choisir une de mission. Alors. Alors, je sais qu'est-ce qu'on pourrait faire. On pourrait aller au cimetière, tu sais, et faire la mission du mec qui nous a demandé de fouiller une tombe. Ouais. T'en souviens, le mec qu'on a trouvé sur le bateau? Ouais, je me souviens de lui, ouais. Comment ça s'appelle alors? Attends. Journal. Puissant éveil. Une proie rare. Ouais, mais on avait aussi une quête pour l'autre. C'est une affaire de famille. Tarquin nous a demandé d'aller lui chercher un puissant artefact. Il faut trouver la famille Sauré. Ok, bon bah je vais au cimetière. Hop là. Je suis au cimetière. J'arrive. La famille Sauré. Alors, cimetière. Cimetière. Alors, il faut trouver la famille Sauré. Tiens, il lui manque la tête à la statue. Ici, regarde. Il manque la tête et les bras. J'ai trouvé une jambe de lézard tranchée. Tu veux bien manger ça? Arrive. Alors. Tiens, je t'envoie ça. Envoyé à Nemata. Hop. Et donc. Alors j'arrive. Miam miam miam. Tenter de réparer la statue. Mais d'accord, mais il me faut de l'artisanat en fait pour réparer la statue. Mais il faudrait déjà l'autre bout de la statue surtout. C'est ça. Attends. Ouais. Attends. Je suis sous malédiction. Tu peux me bénir? Non. Je vais te fortifier, ça passe normalement, je crois. Tu peux me bénir? Non, ça passe pas, putain. Merci. Ok, bah j'ai plus de source par contre. Hein. Non plus, mais c'est pas grave. Bon. Attends, c'est bien, elle va crocheter tout ça. Il faut trouver la famille Sauré. Ouais, elle essaye, hein, on verra bien. Ça, c'est bon. J'ai crocheté. Allez, où qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est trop lourd, le plein rouge. Vas-y, je t'en prie. Casque de maille, 124 d'argent, parchemin de feu sauvage. Ah bah voilà, tu vois que ça sert à piller les cimetières. Oui, on est complètement d'accord. Alors, faut chercher la famille Sauré alors, bon. Bah c'est parti, cherchons la famille Sauré ou cherchons au moins un crâne de... Oula, putain ils ont l'air fun en haut. Oh tiens. Tombe plume. Oulou, il y a un cadavre d'Awen en haut. Awen, attends c'est qui Awen? Connais? Je connais pas d'Awen. Attends, merde. Je te laisse aller looter le cadavre, c'est le seul intérêt des cadavres. On peut... Cadavre de nain à marinite mouche, attends. Ouais. Nemata va parler un petit peu à ce petit tombe-plume. Vas-y. Je me balade. C'est quoi? J'y suis déjà allé là? Oui, on est déjà allé ici. Ça ne mène à nulle part ici. Si je peux pas approcher.
ici c'est looté. Ah, je sais pas où il est, moi. La famille machin chose là. Aucune idée, quoi. Aucune foutue idée. Ok, donc là tu m'apprends rien du tout. Et merde. Quoi? Pas rien, il me demande des trucs, c'est un peu chaud. Et qui? Bah je parle avec un vautour immense. Un vautour? Ah non, c'est un aigle. Oui, bon, la différence. Alors, qui es-tu, toi, mon ami? Ok, donc lui, c'est un pêcheur sans remords. Content pour lui. D'accord, le mec qui est mort en haut, en fait, il est ami avec les oiseaux, d'accord. Ok. Bon. Bah, je ne trouve pas de famille machin, je suis désolé. C'est pas écrit sur la map seulement, non? D'accord. Si, putain, tombeau de la famille Suret. Bah voilà. C'est juste là. Je te suis. Moi, je parlais avec les petits animaux. C'est ça, ah merde, attends, mais attends, tu sais quoi, je te laisse faire ça. J'ai juste utilisé mon pouvoir de vision spirituelle là, tu sais. Oui, oui, n'hésite pas. Porte de tombeau dans l'ombre. C'est verrouillé. Pas pour longtemps. Ah, ça, je suis moins serein. Alors, finis juste ça et j'arrive, j'en ai pas pour longtemps. Je vois vraiment pas ce que c'est. Je vais save quand même avant qu'on ait des problèmes quelconques. Vas-y. Juste que t'as que des mecs, des nains qui sont fait assassiner par un mec qui les donne à bouffer à un aigle. Sympa. Bon, bah écoute, y a pas grand chose que je puisse faire. Here lies Victor Flynn. A life story cut short here. Allez, le dernier. There's no body here. Only a pile of rocks. D'accord, apparemment notre pote l'aldéhyde, tu sais, enfin pas l'aldéhyde, mais le sorcier là. Il a tendance à utiliser les cadavres des gens morts ici. Et en général, les gens morts ici, ils trouvent jamais le repos. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, je te rejoins. Alors, où est-ce que c'est fermé? Par là. Non, en fait, elle, là, elle parle, elle. Non, elle est à moitié fêlée. C'est là, en bas, là. C'est fermé à clé. Mais je pense que si on n'a pas la clé, on peut pas y aller, de toute façon. On verra, hein. À mon avis, ça va être pour plus tard. Non, non, il nous a dit de fouiner, donc... Voilà. Salut. Ah bah si, bah ça passe. Non, c'est Bill et je l'ai maxé, hein. Bien sûr. Alors, paraît-il qu'ici, il y a... Il y a des artefacts puissants. Ouais, ça sent tellement le piège partout, quoi. Mais c'est certain. Ah tiens, un faux mur. Un faux mur. Ouais. Un bouton. Un bouton. J'ai trouvé un bouton ici. T'as appuyé? Bah oui. D'accord, ça n'a rien fait. Non, j'imagine qu'il y a un second bouton. Caché quelque part.
Tiens, voilà. Vas-y. Voilà. On est expert en boutons cachés, les lézards. C'est ça. C'est des fouineurs. C'est alors, ça, allez, vas-y, ouvre la tombe, hein. On est chaud patate. Il y a une tomate dans une jarre. À mon avis, c'est avarié. Vas-y, le prince rouge, je crois qu'il peut porter la truc. Quoi? Attends, je vais te booster, attends, c'est pas possible, le prince rouge qui peut pas bouger un truc. Bah, il a combien en force? Il a 19 de force. Tiens, vas-y. Non. Il a 22 de force et ça ne bouge pas. Bon bah, écoute, hein. Bah écoute, je ne sais pas pour l'instant ce qu'on peut faire ici. Mais il doit y avoir une solution. Attends, c'est quoi ces conneries? T'es parti. À côté. Ok. C'est quoi ces trucs? Quoi, la porte? Ah, tu sais quoi? Vas-y, monte dessus. Monte sur le truc. Ouais. Merde. Non, mais il doit y avoir autre chose. Mais ça doit servir à quelque chose, de toute façon, oui, on est d'accord. Merde! Quoi? Ah. Il y a encore eu un souci avec le record. Faut le refaire. Bon. Non. Il va falloir que je... qu'on fasse une coupure ici, du coup. Ok. Donc une seconde. Ce jeu est le record, je sais pas pourquoi c'est si difficile que ça, mais... À chaque fois, ça demande de faire attention à tout, quoi. C'est insupportable. Bon, donc bah je vais save. Bah tu peux rester cliqué, hein. De toute façon maintenant j'ai... Ah non, je peux ouvrir la porte. Nouvelle sauvegarde, et puis on va clôturer l'épisode là. Dès que c'est sauvegardé. Ah tu as arrêté? Bah on fait une coupure quoi.